Lundi 1er janvier 2024, il est actuellement 8h du matin et je pars m'entraîner. J'ai un objectif en tête comme je vous ai dit et il n'y a pas de temps à perdre pour le réaliser. Quand on arrive à la fin de l'année, c'est là qu'on se rend compte que le temps passe vite. Quand on est en plein dedans, on s'en rend pas compte, mais quand on arrive à la fin de l'année, on fait le bilan et on se rend compte que le temps est passé vite et qu'est-ce qu'on a réalisé pendant ce temps-là? Ben moi personnellement, pas grand-chose. C'est pour ça qu'hier soir, j'avais aucune envie de célébrer quoi que ce soit. J'avais juste la tête à me reposer et attaquer l'année le plus vite possible pour réaliser un maximum de choses avant que... Avant que cette nouvelle année nous dévore et que on soit déjà en train de dresser le bilan avec peu de choses dans la balance. Vous le savez déjà sur cette chaîne, on n'est pas là pour se plaindre, on passe tous par des phases basses et le principal c'est de se relever et c'est ce qu'on va faire. Donc on est parti pour s'entraîner, on est parti pour tout casser. On n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. C'est parti. Il y a 10 ans, j'attaquais la muscu et quand tu débutes en muscu, il y a deux choses qui sont importantes. L'entraînement et la bouffe. L'entraînement, je m'entraînais très bien dès le départ. Et la bouffe, bah, je découvrais, je connaissais pas grand-chose au début, donc je me renseignais avec les gars qui étaient autour de moi. Et quand tu commences à parler en salle muscu, qu'est-ce qui revient souvent au niveau de l'alimentation? C'est les compléments alimentaires. Donc j'ai commencé les compléments alimentaires il y a quasiment 9 ans, on va dire, 8 ans, 9 ans, tout comme ça, avec les protéines, parce que bah, c'était compliqué de me faire à manger quand j'étais plus jeune, etc. Donc j'avais besoin d'un apport en protéines plus élevé, donc je prenais des protéines après l'entraînement. Et j'ai voulu pousser la chose un petit peu plus loin encore. À chaque fois, tu vois qu'il y a une progression, tu veux aller encore plus loin, chercher d'autres optimisations dans ton entraînement, dans tes performances. Donc j'ai regardé pour d'autres compléments alimentaires. Donc c'est là que j'ai attaqué à prendre des vitamines et quelques années plus tard, à prendre du collagène. Donc je commençais à avoir environ 23-24 ans et la synthèse de collagène diminue drastiquement aux alentours des 25 ans. Donc on le ressent normalement, on a l'impression qu'on vieillit vachement plus vite à partir de 25 ans. Et donc du coup moi je voulais pas que ça m'arrive, donc j'en prenais et je voyais l'effet surtout au niveau tendineux parce que j'avais de temps en temps quelques douleurs au niveau du tendon ici là, au niveau du coude, quand je faisais le dos notamment. Parce que je poussais lourd et que je faisais vachement de tirage au-dessus de la tête avec les coudes qui partent au-dessus de la tête et donc il y a des frottements au niveau des coudes. Et donc le collagène, ça marchait bien sur moi parce que j'avais plus aucune douleur quand je faisais mes tirages. Donc j'ai commencé à me supplémenter il y a environ 5-6 ans, quelque chose comme ça, et j'ai conseillé à tous mes proches d'en prendre aussi parce que c'est hyper intéressant et il y a plein d'études qui sont sorties et on voit les effets, c'est absolument fou. Et donc du coup ça commence à faire un stack déjà important. Et en continuant mes recherches, j'ai notamment vu l'apparition d'énormément d'études sur les probiotiques. Et là on est sur un spectre encore plus grand d'utilisation, que ce soit pour les maladies neurodégénératives, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit au niveau de la digestion. Enfin, le scope est vraiment énorme de ce produit-là. Du coup, comme tout le monde, je commence à avoir un stack de drogués chez moi pour tous les compléments. Et quand je bougeais, ben, que ce soit pour un mois ou deux, j'avais absolument rien parce que c'était trop, genre, trop lourd d'emporter tout et enfin, de penser à tout. C'était vraiment un peu chiant. Et du coup, quand je m'entraînais, ben, je trouvais que j'avais une baisse de performance. C'est là que je commençais à me faire mal, etc. Donc, j'étais pas très, très satisfait. J'ai voulu trouver une solution à ça et sur le marché, il n'y avait rien de disponible. Donc, j'ai décidé de m'impliquer dans la création d'un produit qui se nomme Daily Energy et c'est donc le partenariat sur cette vidéo. C'est un complément alimentaire all-in-one à prendre une fois par jour qui contient 10 000 mg de collagène, 34 milliards de probiotiques, l'équivalent de 10 bananes en fibres et 13 vitamines superchargées. C'est vraiment un complément alimentaire parfait pour les sportifs, pour les gens qui veulent mener une vie active. C'est sous forme de sachet, donc c'est très facile à emporter, et la qualité est assurée parce que le façonnage est réalisé dans des laboratoires pharmaceutiques.
Si vous aussi vous voulez vous procurer ce produit-là, vous pouvez aller sur le site drokinawa.com, vous rentrez mon code Raphaël Cuesta et vous aurez 5 échantillons offerts avec votre première commande. C'est un produit 100% français et la livraison est offerte, donc profitez-en. Les AirPods, ça fait quelques jours que j'ai rangé les AirPods dans leur case et que j'y ai plus touché parce que j'ai l'impression que ça me fait énormément d'acouphènes. Et quand j'ai partagé sur les réseaux, vous étiez nombreux à m'avoir dit exactement la même chose sans que j'évoque mes symptômes à l'avance. Donc on est beaucoup à corroborer sur le fait que ce truc là te donne des acouphènes. Les acouphènes, c'est irréversible. Depuis que j'ai arrêté de les porter, j'ai noté une légère diminution des acouphènes, mais ça reste encore présent. Donc c'est à vie normalement. Il n'y a rien qui peut vraiment les éliminer, à part des huiles essentielles qui peuvent calmer les sifflements. Mais sinon, c'est super dérangeant. Certaines personnes en deviennent fous tellement c'est fort dans leurs oreilles. Moi, c'est encore, on va dire, bénin. Mais depuis que j'ai arrêté, je sens une grosse différence, je sens un apaisement et du coup j'ai décidé de plus jamais y toucher. Dernièrement, je m'entraînais dans une salle qui était très bruyante et le fait qu'il n'y ait pas d'isolation dedans, ça fait que je devais me mettre la musique un peu plus fort et au final c'est ça qui a, je pense, endommagé mon oreille, en plus du fait que le son sorte très proche du tympan, contrairement à un casque où le son sort un peu plus loin et sur le casque il y a une isolation, donc tu as tendance à mettre un peu moins fort. Je sais pas si c'est les seules raisons pour lesquelles ce truc là m'a fait du mal aux oreilles ou s'il y a d'autres choses liées, je peux pas vous en dire plus. Ouf, mon grip il est tout noir, faut que je change le grip de la raquette parce que c'est injouable, et le cordage aussi. Écoutez le cordage, je crois que c'est de la pierre. Il faut le changer. Bref, comme je vous ai dit, j'ai décidé d'utiliser mon casque qui est là depuis le début des vidéos quasiment. Je crois qu'une des premières vidéos c'était sur l'achat de mon casque, le déballage ou un truc dans le genre. Bref, il y avait
le casque qui était impliqué dans cette vidéo. Et donc du coup, on y retourne 5 ou 6 ans après, parce que pour moi, ça c'est le top du top. Bon, évidemment, il y en a d'autres sur le marché qui sont bien. J'aime écouter de la musique assez fréquemment. Donc du coup, ben, moi je vous conseille, si vous êtes comme moi amateur d'audio, d'utiliser un casque extra-auriculaire plutôt que des intra-auriculaires qui m'ont endommagé l'oreille. C'est mon petit conseil du jour. On est parti sur cette séance de muscu, on va faire les bras aujourd'hui. Donc pour prendre les bras, le meilleur exercice pour moi, c'est du développé couché, parce que tu vas mettre lourd sur les triceps, surtout sur la partie haute du mouvement. Quand tu vas arriver en haut, je vais laisser finir son exercice. Du coup, quand tu fais ton développé couché, la dernière portion du mouvement, la partie haute du mouvement, elle est quasiment uniquement faite par les triceps. Vu que le développé couché, c'est l'exercice où tu mets le plus lourd, c'est là où tes triceps auront le plus à s'adapter et donc du coup où tu auras le plus de progression musculaire. Mais vous m'avez déjà vu faire du développé couché, on va changer un petit peu. Je vais vous montrer une séance qui peut être intéressante. On va se mettre le chrono. Pourquoi on se met le chrono? Parce que la séance de bras, comme je vous ai dit, on ne fait pas du lourd, on n'a pas besoin de temps de repos énorme. Et le deuxième avantage qu'on a, c'est qu'en général, on peut travailler les biceps et les triceps en même temps. Donc on va se mettre un chrono. On va être parti pour 30 minutes. Let's go. Donc, sans perdre de temps, on va commencer avec le premier exo. Je monte directement sur le premier exercice parce qu'on va faire un exercice polyarticulaire. Vu qu'on va remonter en haut du mouvement. Donc, je vous montre. Ça c'est le mouvement classique. Et ça, c'est la version adaptée par Michael Gundil pour travailler la portion longue du triceps sur le mouvement. Si on s'arrêtait là, juste avec les coudes collés comme on le fait normalement, on ne travaillerait pas la portion longue qui, elle, s'accroche derrière l'omoplate et qui, du coup, va aider à descendre les bras à ce niveau-là. Cette partie-là, elle étire et elle contracte la portion longue, donc du coup, elle travaille. Quand on est ici, la portion longue ne peut pas travailler correctement. Du coup, elle va être sous-développée si on fait que cet exercice-là. On est parti donc. Je vais monter en poids doucement. Je me suis déjà échauffé. Je n'inclus pas dans les 30 minutes parce que je sais que vous vous échauffez pas. Donc, on skip pour le temps d'entraînement l'échauffement. Mais évidemment, je me suis échauffé. On va passer sur le deuxième exercice. En superset, juste en bas, j'aurai besoin de la même prise que j'ai utilisée, mais elle n'est qu'en un seul exemplaire et je ne vais pas m'amuser à changer à chaque fois. Sur un superset, ça serait un peu long. Du coup, on va passer avec une corde, c'est à peu près équivalent. Ici, là qu'on a juste le poids, on est parti. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on récupère sur les triceps en même temps qu'on travaille sur les biceps. Comme je vous ai dit, ça ne marche pas quand on fait du polyarticulaire parce que le système nerveux est trop fatigué et il n'a pas le temps de récupérer si on fait ça. J'attends 20 secondes et je suis reparti. Donc, vous avez vu que je me suis installé ici au tirage parce que, en fait, il n'y a pas assez de poids sur les autres poulies. Du coup, je me mets au tirage pour le dos. Comme ça, je peux mettre un peu plus de poids. Tout simple. Allez, on est reparti. Allez, on monte ici pour les biceps. On était à 15, on peut mettre 25 largement. J'ai dit, si j'avais que 25 pour les triceps, je serais vraiment très triste.
fait super mal la corde. Vous pouvez faire aussi cet exercice là en mettant un pupitre et en utilisant un embout un peu différent. Pourquoi j'utilise une corde ou alors un embout en V? Parce qu'il faut prendre en compte le valgus du coude. Je vous invite à regarder ce que c'est parce que c'est très important quand on fait des exercices de musculation. C'est pour ça que vous voyez souvent des barres droites ou des barres coudées. Ça, c'est une barre droite, tu vois. Si je prends une barre droite, moi, quand je fais mon exercice, je vais avoir une tension au niveau du poignet et au niveau du coude. Alors que si j'avais une barre qui a cet angle-là, mes poignets seraient en position neutre. En fonction de ces prédispositions génétiques, on est plus à même de travailler avec une barre droite ou avec une barre coudée. Et pour ceux qui ont un valgus du coude très important, ils sont obligés d'utiliser des exercices avec les mains qui ne sont pas liées, donc des haltères ou alors une corde, parce que ça permet d'avoir une liberté des poignets plus grande que sur une barre où tout est fixe. En général, en salle de muscu, on a la chance maintenant d'avoir pas uniquement des barres droites, mais des barres coudées. Donc utilisez un max les barres coudées si vous le pouvez. Allez, troisième série. On peut passer un peu plus lourd. Ok, on change d'exercice, il reste 18 minutes. Là on est à 12. On va passer au banc. On va passer cette fois-ci en attaquant par les biceps. Du coup, biceps haltères. Comme je l'ai dit, je passe aux haltères parce que pour le valgus du coude, ça me fait moins mal. Si j'avais une barre, j'aime bien passer à la barre aussi, c'est beaucoup plus stylé, je trouve, la barre. Mais ça me fait moins mal aux haltères, donc je travaille sur les haltères, évidemment. On va pas se faire mal pour rien. Du coup, on va passer première série à 18. Donc, premier exercice, biceps curl haltères. Et en deuxième exercice, on va faire des triceps. Je vous montre dans une seconde. On passe. Let's go. Pareil, je le fais en alterné. Je trouve que c'est beaucoup plus appréciable. Ça laisse un petit temps de repos pour le biceps droit pendant qu'on passe sur le gauche. Et du coup, tu peux mettre lourd. Et vu que j'adore mettre lourd, c'est pour ça que je passe souvent en alterné. Voilà. Et quand t'es assis, c'est beaucoup plus dur de tricher. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Allez, deux. Bordel. Du coup, en deuxième exercice, je vais passer cette fois-ci sur, vous l'avez deviné, la poulie. Pourquoi la poulie? Tout simplement parce que je trouve que c'est vachement plus doux pour les coudes que si je passe aux haltères. Quand je passe aux haltères, je le sens direct. Là, à la poulie, je le sens pas, je peux mettre lourd. Cette fois-ci, on va passer. Il me reste 15 minutes, donc le temps que on s'embrouille un petit peu avec les gens. Donc là, je vais finir quoi? Je vais repasser sur le même exercice, je vais repasser et je vous montre les deux exercices sur lesquels je finis. On va faire un petit peu low-key, on va se mettre un petit peu de côté et essayer de filmer un peu plus discrètement pour éviter de chercher quoi que ce soit. Donc voilà, on finit ça, on se retrouve après. Ok, en dernier exercice, je vais passer sur des dips. Avec du bras clair.
Donc ça serait mieux de le faire à la poulie. Je vais faire avec un exercice, avec le frère qu'un élastique. Là. Et je vais chercher derrière. J'immobilise mon coude et je viens chercher derrière la nuque. Exercice 30 minutes. Ok. Du coup, on va manger une soupe de courgettes avec des pois chiches. Ici, on a du bon jambon. On a regardé, normalement, c'est un très bon jambon vu que c'est un bellota. Donc, il y a le jambon sebo et le jambon bellota. Bellota, c'est de meilleure qualité. Et un petit peu de kimchi. À manger avec, repas assez simple. Là, je t'avoue que je suis en full hypoglycémie. Je me suis entraîné bien dur, congestionné un max et j'ai mangé il y a quand même pas mal de temps, donc je suis un petit peu KO. Donc je vais manger ça tranquille. Voilà, on finit ce vlog comme ça. J'en attaque un dès demain parce que la semaine prochaine on partira, donc je vais essayer de le filmer en début de semaine, comme ça vous aurez quelque chose pour la semaine où je suis pas là. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. À bientôt. Ciao ciao.